Vous nous faites signe? Regardez les petits RBD qui vont voir les caméras. Bonjour, au nom de toute l'équipe Intime, nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et tous, que vous soyez présents avec nous sous le soleil de Dijon ou à distance sur Teams. C'est avec un très grand plaisir que nous inaugurons cette troisième édition de lecture poétique multilingue à l'initiative de l'équipe Intime du Centre Interlangue TIL de l'Université de Bourgogne, avec le soutien de l'UFR Langue et Communication, de l'AMSH de Dijon et dans le cadre, avec le concours, disons, de l'Alliance for Them. Cette session poétique s'inscrit une fois de plus dans le cadre du Printemps des Poètes. Juste quelques mots pour rappeler que cela fait déjà 2 ans que nous avons à cœur de mettre en place ces lectures poétiques. Une première session en 2020 autour du thème du courage avait dû être annulée en raison du confinement qui avait été décrété à la veille de notre événement, et ça avait été là une grande déception. Et l'an dernier, malgré la persistance de la pandémie, une première session poétique en distanciel intitulée « Dire le désir » a pu se tenir avec plus de 25 participants. Et pour l'occasion, le blog « Vers du temps, poèmes sans frontières » avait été créé pour accueillir ces poèmes partagés collectivement. En octobre dernier, une deuxième édition a eu lieu pour célébrer le retour sur nos campus en format hybride, la rentrée des poètes, qui a été l'occasion de réunir un certain nombre de participants de la première édition et d'en accueillir de nouveaux. Et aujourd'hui, c'est le thème de l'éphémère qui va servir de fil conducteur à l'ensemble de vos lectures en langue originale ou en traduction. Fugacité du temps qui passe, inconstance des sentiments ou fragilité de l'instant présent, l'éphémère est au cœur de nos existences et habite en creux l'écriture de nombreux poètes, quelle que soit leur époque ou leur continent. Nous nous réjouissons donc de ce voyage poétique qui va faire résonner les voix dans de multiples langues. Et avant de lancer les choses, je tiens dès à présent à remercier tout particulièrement le travail de chef d'orchestre d'Ambra Zorat et d'Agnès Pernier-Liou de notre équipe pour la préparation de cette session et à l'implication de Mathéo Schroll et Lina Manovest, étudiants de master recherche qui ont participé aussi et qui vont, que vous allez entendre tout au long de cette session. So good afternoon to the people who are joining us today and who do not speak French but who may speak English. Welcome to this third edition of multilingual poetry reading organized by the group Intime from the laboratory TIL from the University of Burgundy, where we are today. So this event is organized in the context of the Printemps des Poètes, the national French event, the Spring of the Poets, organized this year on the topic of the ephemeral. We would like to thank the Faculty of Language and Communication, as well as the Maison des Sciences de l'Homme de Dijon and the For Them Alliance for their help organizing this event. And a big thank you as well to Ambra Zorat and Agnès Pernier-Liou, who organized and planned this event this year. And now let us listen to poetry then. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Nous allons commencer avec un texte proposé par Madame Candice Lemaire, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Il s'agit d'une lettre qu'Emily Dickinson adresse à un ami qui lui est cher, ce pourquoi nous voulions vous la lire en guise d'introduction. April 1885. Dear friend, the flower for which your brother cared resumes its siren circuit, and choosing a few for its name's sake, I enclose them to you,
Perhaps for some far sight he overlooks their transit and smiles at the beatitude so recently his own, ephemeral, eternal heart. I hope you're in health and that the fragile father has every piece that years possess. My sister's tender interest. We think of your small mansion with unabated warmth, though is not any mansion vast that contains a father. That this beloved spring in spirit both yourself and him is our exceeding wish, Emily Dickinson. Dans la lettre de Dickinson, il est question d'une fleur, image souvent utilisée en poésie comme symbole de la beauté, de ce qui est éphémère et fragile. Mais plus important que tout, nous allons écouter des poèmes, des pétales de cette fleur, si l'on peut dire. Nous vous proposons maintenant d'écouter un poème chinois de la dynastie Tang, le plateau de Yu, écrit par Li Shangyin dans le 9e siècle. Nous allons l'entendre résonner en plusieurs langues, chinois, italien et français, à distance. Merci beaucoup à Giuseppa Tamburello de l'Université de Palerme et ses étudiants, Sophie D'Amato et Valeria Simone. Oui. Bon après-midi à tout le monde. Please don't be afraid, but I'm on a bus, so this is going to be a kind of poetry on the road, and it is compulsory to wear a mask. So just to remind all of us, you know, that we are going through a very peculiar period. I'm very, very pleased to be here today. It was a wonderful experience last year with two of my students, and it's going to be for us a wonderful experience this year too. Also because it is an occasion to see again Agnès. We only know each other from the distance, in fact. But it's really a wonderful occasion. I'm very glad that also the two students of mine wanted to participate. They thought this is a beautiful occasion. And I want to thank the University of Bourgogne. I want to thank also the University of Dijon, as well as for them, that gives us such an opportunity. And we will have Sophie D'Amato reading the Chinese version and Valeria Simone reading the Italian version. The Italian version was made by me, was produced by me. And as you can imagine, one of the most difficult things in translating from Tang Dynasty poetry into Italian is above all the dimension. Tang poetry is extremely concise and is based on just a number of characters. Whereas in Italian, we can't keep that form any longer, and we just have to go much, much longer. So you will perceive this through the reading, and I wish everyone to enjoy this afternoon, and I leave the floor to Sophie D'Amato. Thanks a lot to everyone, and enjoy. Bye. Bonjour, je m'appelle Sophie D'Amato. Mon nom est français, mais je ne suis pas française. Voici la poésie. Dans le Yu Yuan, Li Shangyin, Xiang Wang, Yi Bo Shi, Chu Chu, Dang Gu Yuan, Xi Yang Wu Xian Hao, Zhi Shi, Jin Huang Hun. Merci. Merci à vous. Bonjour, je suis Valeria Simone. Je commence. Ascendere al parco Le Yau, Li Shangyin. Incontro alla sera, già un po' stanchi, guidare il carro lungo l'antica altura. Infinitamente migliore è il tramonto proprio quando si avvicina al crepuscolo. Merci. Merci a vous. Merci Giuseppa, merci Sophie et Valeria de nous avoir fait entendre le poème en chinois, en italien. Et maintenant, je vous propose une traduction en français. Des hauteurs du plateau de Le Yau, Li Shangyin, dynastie Tang. Un soir de mélancolie, je conduis mon attelage jusque sur les hauteurs du vieux plateau. Là, un coucher de soleil
d'une beauté infinie. Mais déjà la nuit tombe. Merci beaucoup, Madame Pernelliou. Merci beaucoup à Giuseppa Tamburello et à ses étudiantes Lidiaï. Et merci à Sophie D'Amato et Valeria Simone. Nous vous proposons maintenant d'explorer la tradition poétique du haïku, qui tient ses origines dans la pensée zen chinoise et qui s'est développée au Japon pour ensuite se démocratiser à travers le monde entier, notamment en Italie dans le cas présent. Nous accueillons Rosana Yema, enseignante, traductrice et poète, qui va nous lire des haïkus de Matsuo Basho, Eduardo Sanguinetti et Andrea Sansoto en italien avant de nous lire ses propres œuvres. Traductrice, enseignante et poète, Rosana Yema a traduit différentes pièces de théâtre de dramaturges contemporains tels que Ricci Forte, Lina Prosa, Francesco Randazzo, Alexandra Badea, Christian Ceresoli, entre autres. Passionnée de poésie et poète elle-même, elle a participé à différentes rencontres, lectures et à des performances poétiques organisées par des auteurs et artistes tels que Lina Prosa, Carlo Ossola, Beppe Costa, Maurizio Scaparro, etc. Et traduit des textes poétiques de Bontempelli, Caproni, Zanzotto ou encore Buzzati. En 2021, elle a reçu la mention honorable au Mediterranean Poetry Prize. Plusieurs de ses poèmes sont publiés dans des anthologies poétiques collectives. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous Bonjour entend. Bonjour à tous et Bonjour. Merci de l'accueil à l'Université de Dijon. Et pour cette journée dédiée à l'éphémère en poésie, donc, j'ai choisi de lire des haïkus qui sont en fait des brefs poèmes composés de 17 syllabes ou mots, plus précisément. Et qui, d'un soupir presque, cherche à décrire un sentiment, une situation fugace, éphémère, ancrée dans la nature ou dans une saison, et évoquant l'évanescence des choses et l'impermanence de la vie la plupart du temps. Je commencerai donc par 5 haïkus de Matsuo Basho, qui est considéré comme l'inventeur de cette forme poétique au Japon au XVIIe siècle. Et puis, je passerai à 2 auteurs, 2 grands poètes italiens contemporains, Eduardo Sanguinetti et Andrea Zanzotto. Pour finir, je lirai des haïkus écrits par moi, en toute modestie, quand même, parce que je ne veux pas me comparer à ces très grands poètes. Et voilà, donc je commence par 5 haïkus de Matsuo Basho en italien. Erba d'estate. Ciò che resta dei sogni di tanti guerrieri. Nel vecchio stagno si tuffa una rana, eco dell'acqua. Della frescura faccio la mia casa e qui riposo. Ho rimpianto con gli amici di Omi la fugace primavera. Le dernier, ancora vivo e il viaggio è finito, sera d'autunno. Là, je vais lire 3 haïkus d'Eduardo Sanguinetti, donc tiré de corollario et traduit en français par moi-même. È il primo vino. Calda schiuma che assaggio sulla tua lingua. C'est le premier vin, écume tiède que je savoure sur ta langue. C'est santa lune, i petali di un haïku sulla tua bocca. 60 lunes, les pétales d'un haïku sur ta bouche. Pagina bianca,
come i tuoi mini piedi di neve nuova. Une page blanche comme tes petits pieds de neige toute fraîche. Je vais passer au pseudo-haïku d'Andrea Zanzotto, qu'il a écrit en italien et en anglais, et que j'ai traduit en français pour cette occasion. Ils sont tirés de Haïku for a Season, Haïku per una stagione. C'est donc un texte qu'il a écrit dans les deux langues. Et vous m'excuserez pour la prononciation de mon anglais. Alors, je commence avec l'italien. Ah, pardon. Il s'agit de pseudo-haïku parce que Zanzotto a décidé de ne pas respecter donc, les codes de la métrique classique de cette forme poétique. Haïku d'un'alba in attesa, forse mia, forse cenni o sussurri di altri universi. Haïku of an unforeseen daybreak, maybe mine, maybe drawls or mini noises of other universes. Haïku d'une aube inattendue, peut-être mienne, peut-être signe ou murmure d'autres mondes. Le deuxième. Onde di nebbia e certezza, in una remota pagaia d'argento. Arriva, arriva la memoria. Waves of mist and certitude, in a remote silver paddle, nearing, nearing memory. Vague de brume et confiance dans une lointaine pagaie d'argent. La mémoire approche, approche. Et je vais terminer par quelques haïkus écrits par moi. Freddo di neve. Vivere nel tepore del fuoco dentro. Froid de neige. Vivre dans la chaleur du feu intérieur. Madre marina, riaccoccolarsi in te e rinascere. Mère maritime, se reblottir dans tes bras, c'est comme renaître. Les prime bombe piovono sulle zolle, la terra soffre. Les premières bombes tombent sur les mottes, la terre souffre. È primavera, nugoli di bambini pronti a giocare. C'est le printemps, des nuées d'enfants prêts à jouer. La donna è vita, come ho letto di Zagara. Tu, non ferirla. Voilà, donc je termine ici. Et merci beaucoup à tout le monde pour merci l'attention et bonne suite. Merci, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort pour son travail. Merci. Nous continuons les haïkus, cette fois-ci en espagnol, avec un texte de Mario Benedetti, qui va nous être lu en espagnol puis en français par Madame Cécile Iglesias de l'Université de Bourgogne. Merci. Merci. Donc, il s'agit de 5 haïkus du poète et écrivain uruguayen Mario Benedetti, né en 1920 et décédé en 2009, issu de son recueil Rincón de Haïkus, de 1999, où il regroupe 224 haïkus numérotés en adaptant un peu la règle du haïku originel, en essayant de respecter les 17 syllabes réparties en 3 vers de 5, 7, puis 5 syllabes. Donc on retrouve chez lui cette brièveté particulièrement évocatrice.
dans une expression très intimiste, d'une extrême sobriété. Diez. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Après tout, la mort est juste un symptôme qu'il y eut de la vie. 44. No quiero verte por el resto del año, o sea, hasta el martes. Je ne veux plus te voir d'ici la fin de l'année, donc jusqu'à mardi. 59. Cuando mis ojos se cierran y se abren, todo ha cambiado. Quand mes yeux se ferment et s'ouvrent, tout a changé. 70. Mientras revivo, acuden primaveras a mi memoria. Tandis que je revis, des printemps arrivent à ma mémoire. 81. Conforme truena, los oídos del bosque se cubren de hojas. À mesure qu'il tonne, les oreilles de la forêt se couvrent de feuilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous proposons maintenant d'explorer... excusez-moi. Nous allons maintenant accueillir le poète Sébastien Révon, qui vit dans le comté de Cork, en Irlande. Il est pharmacien, amateur de jazz et de photographie. Et il écrit des haïkus en français et en anglais. C'est lors de la manifestation Parole de confiné, organisée par l'équipe intime du Centre Interlangue, que Madame Sylvie Crinquant a entendu parler des haïkus de Sébastien Révon. Et ce, par le père du poète qui avait participé à la manifestation en exposant ses photos au consortium. Pourquoi ne pas traduire ces beaux vers dans plusieurs langues ? Avec Madame Laurélène Anthony Guérolt, du collège Armand Nogues, à Saint-Fargeau, est née ainsi l'idée d'impliquer des élèves du secondaire, puis d'entendre le travail à des aires linguistiques différentes. Nous entendrons donc 7 haïkus de Sébastien Révon, lus en français. D'accord, pas de souci. Ça marche. Dans ce cas-là, peut-être que Monsieur Révon, du coup, que nous entendrons le travail de Monsieur Révon plus tard. En attendant, nous allons vous proposer des lectures en allemand, en français et en français, des haïkus de Sarah Kirch, afin de clore cette première séquence. C'était censé être la fin du segment sur les haïkus, mais. Du coup, voilà. Nous accueillons Laura Sophie Hoffmann et Jennifer Torisch du Master MEF, du Master MEF allemand. Donc, pour commencer, déjà, on va nous présenter. On est deux étudiantes de l'université de Mayence. On est en train de faire la deuxième moitié de notre master ici à Dijon. Donc, aujourd'hui, on va lire quelques haïkus de Sarah Kirch, une poète assez connue en Allemagne. Donc, je vais commencer avec la partie en allemand. Ein Bauer mit schleifendem Bein ging über das Kohlfeld, schwenkte den Hut, als wäre fröhlich. Un paysan à la jambe traînante traversa le champ des choux, agitant son chapeau comme s'il était joyeux. Zwei Zeilen. Kastanienäste klopfen an die Scheiben, wovor ein blutiger Himmel schwebt. Rückenwind 1976. Deux lignes. Des branches de marronnier heurtent les vitres. Au devant flotte en ciel un sanglanté. Le vent en poupe 1976. Aus dem Haiku-Gebiet. Das neue Jahr. Winde aus alten Zeiten. Machen mir Zahnweh. Un nouvel an. Des vents de l'ancien temps. Une rage de dents. Unter dem Himmel des neuen Jahres gehen die alten Leute. Sous le ciel du nouvel an passent les vieilles personnes.
Heul, sage ich, heul. Der Hund hilft mir das Jahr zu Ende zu bringen. Hurle, dis-je, hurle. Le chien m'aide à terminer l'année. Das Jahr geht hin, noch immer trage ich Reisekleider. 1.1.1991, Erlkönigs Tochter 1992. L'année s'achève. Je porte toujours mes vêtements de voyage. 1er janvier 1991. La fille du roi des Alunes. 1991. Anrede. Ich bin der Wind, das Spinnenschrittchen auf deinen schönen roten Mund. Bodenlos, 1996. Adresse, je suis le vent, le minuscule padérinier sur ta belle bouche rouge, abyssal, 1996. Vergiss mal nicht, Nachtviolen, die kühle Akelei wieder am Fuß der Silberpappel. Misotis violette de Dama, la fraîche encolie de nouveau au pied du peuplier argenté. Sturm und Regen. Pappelblätter an die Fenster geklebt. Tempête en pluie, feuilles de peuplier collées contre les vitres. Graue Sonne, die Krähe hackt den Schnee. Soleil gris, la corneille picore, la neige. L'amour dessine, 2020. Merci beaucoup. Accueillons maintenant Dunia Amgun de la licence LEA anglais-italien, qui va nous lire les poèmes de Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo et Eugenio Montale dans leur langue originale, ainsi qu'un texte de Minerme traduit du grec à l'italien par Salvatore Quasimodo. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui je vais lire des poèmes en italien. Je vais commencer avec celui-là de Giuseppe Ungaretti, Soldati, tiré de Allegria di naufragi, 1919. Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie. Je vous propose aussi une traduction de Philippe Jacotet. On est là comme sur les arbres, les feuilles d'automne. Maintenant, je vais passer au deuxième poème. Celui-là de Salvatore Quasimodo, ed è subito sera, tiré de Acqua e Terre, 1930. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Je vous propose également la traduction de Patrick Roméo, en français. Chacun reste seul sur le cœur de la terre, percé par un rayon de soleil, et c'est déjà le soir. Je vais passer au troisième poème, Eugenio Montale, Dissipa se tu lo vuoi, tiré de Ossi di Seppia, 1925. Dissipa se lo vuoi, questa debole vita che si lagna, come la spugna e il frego, effimero di una lavagna. Ma attendo di ritornare nel tuo circolo, s'adempia lo sbandato mio passare. La mia venuta era testimonianza di un ordine che in viaggio mi scordai, giurando fede queste mie parole a un evento impossibile, e lo ignorano. Ma sempre che traudii la tua dolce risacca sulle prode, sbigottimento mi prese, quale d'uno scemato di memoria, quando si risovviene del suo paese. Presa la mia lezione più che della tua gloria, aperta dal lanzare, che quasi non dà suono di qualche tuo mereggio desolato, e che mi rendo in umiltà, non sono che favilla d'un triso, bene lo so. Bruciare, questo non altro, è il mio significato. Maintenant je vais lire le troisième poème de Mimnermo, traduit par le poète traducteur italien Quasimodo. Al mondo delle foglie che del tempo, fiorito della primavera nascono, e ai raggi del sole rapide crescono, noi simili a quelle per un attimo abbiamo diletto del fiore dell'età, ignorando il bene e il male, perdono dei celesti. Ma le nere dee ci stanno sempre a fianco, l'una con il segno della grave vecchiaia e l'altra della morte. Fulmineo precipita il frutto di giovinezza, come la luce d'un giorno sulla terra, e quando il suo tempo è dileguato, meglio la morte che la vita. Merci beaucoup. Merci pour cette belle sélection en italien. Nous allons maintenant nous diriger vers la poésie russe du XXe siècle,
Nous accueillons Olga Tchebanova de l'UB, qui va nous lire un texte de Joseph Brodsky, d'abord dans sa langue originale, avant de nous proposer une traduction en français qu'elle a elle-même produite en collaboration avec Xavier Bertrand. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais vous présenter un poème de Joseph Brodsky, un auteur principal russe qui est, ensuite il émigré aux États-Unis et il a reçu le prix de Nobel de la littérature l'année 82. Alors le texte s'appelle Вечером. Снег сено запорошил, он français c'est en soirée, la neige se poudrait du foin. Снег сено запорошил, сквозь щели под потолком. Я сено разворошил и встретился с мотыльком. Мотылек, мотылек, от смерти себя сберег. Забравшись на сеновал, выжил, зазимовал. Выбрался и глядит, как летучая мышь чадит. Как ярко освещена бревенчатая стена. Поднявший его к лицу, я вижу его пыльцу отчетливей, чем огонь, чем собственную ладонь. Среди вечерней мглы здесь мы совсем одни, и пальцы мои теплы, как июньские дни. Alors, et maintenant en français. Tombé du jour du plafond, la neige parsemait le foin. Moi, qui a retourné ce foin, je tombais sur un papillon. Papillon, papillon, tu te garantis de la mort en cherchant refuge, refuge dans ce fenil. Et tu as survécu, et tu as pris tes quartiers. Le voilà extrait, le voilà qui regarde fumer ma lampe tempête. Et le regarde la vive clarté qui frappe les murs des rondins. L'approchant de mon visage, je vois la poudre de ses ailes plus nettement que la flamme, plus nettement que la paume de ma propre main. Au cœur des ténèbres de cette soirée, nous sommes parfaitement seuls, lui et moi. Et mes doigts ont la tiédeur de journée de juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant accueillir Shirmila Pereira, une étudiante et poète de l'UB originaire du Sri Lanka, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui en distanciel, afin de nous lire ses propres créations. Donc, je ne sais pas si Shirmila m'entend. Bonjour Shirmila. Ah, je crois que votre micro est éteint, malheureusement. Je vous entends ? Oui, bonjour. On vous entend. Bonjour Shirmila. Bonjour, vous allez nous lire du coup trois poèmes. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelques mots de présentation pour vos textes? Ah, je suis vraiment désolé, on ne vous entend à nouveau pas. Okay. Est-ce que réessayez maintenant? Ah non, je... Il faut que vous allumiez votre micro, peut-être. Ah, je crois que là, c'est bon. Allô? Non, c'était bon avant, et là, c'est redéconnecté, je crois. Non, juste avant, c'était bon, là. Ouais, là, réessayez maintenant. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Non, 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 juste avant. Non, toujours pas, désolé. Oui, très bien, exact. On vous entend. Non, on vous entendait juste avant. Je ne sais pas si ça se fait tout seul ou si c'est de votre côté. Des problèmes? Oui, là, c'est bien. On vous entend, là. Ok, merci. Oui, c'est merci bon, on vous entend. Beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Shirmila Pereira et j'habite au Sri Lanka. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais lire trois poésies que j'ai écrites moi-même. Le thème commun de ces trois poésies, c'est la vie est éphémère. Donc, ma première poésie
Je parle de la vie en général en montrant que la vie est éphémère mais polyvalente. La vie est polyvalente mais éphémère. La vie est sympa et elle parfois chante do, ré, mi, fa, sol, la. La super vie est belle et poétique et aussi avec les paroles sarcastiques. La vie est polyvalente mais éphémère. La vie est amoureuse et la vie est belliqueuse, avec sa joie de temps estival et sa tristesse de temps brutal. La vie est polyvalente mais éphémère. La vie est appréciée des choses attirantes et aussi critique des choses opposantes. La vie est la déesse du bonheur et la diable du malheur. La vie est polyvalente mais éphémère. Sa bénédiction et sa malédiction sont pour et contre sa mission. La vie est polyvalente, mais éphémère. De berceau au chant funéraire. Donc, ma deuxième poésie est aussi le thème est la vie éphémère. Et à mon avis, il faut toujours protéger les enfants et surtout les enfants défavorisés. Les enfants défavorisés, c'est défavorisés de pur goût de voir la défaite et le deuil déprimé. Ils sont sans défense. Les satanés sans sabots se souviennent de leur survie servile et leur sinistre santé. Ce sont les enfants soldats avec souffrance. Les perturbés piochent la poubelle, les picorer le pain et posséder la poupée. C'est leur persévérance. L'abandonné et anonyme attend l'avenir agressif et l'arbre arraché. Ils sont sans appartenance. Les éparpillés et mouvants et l'éducation effacée énervent l'érudit épuisé. C'est l'errance. Le toucher du tabagisme de la toxicomanie toujours les téméraires et les troublés. C'est la tendance. Les mots maîtrisés, mammifères, manquant les mamans, murmurent les malédictions malfamées. C'est leur malchance. Ces enfants humains eurent pour l'humanisation des humanoïdes de l'humanité. C'est bien sûr l'urgence. Donc, à la fin, ma troisième poésie est un peu rigolote. Ça aussi, ça parle de la vie éphémère, de l'insecte, la moustique. Et ses menaces envers la vie, encore une fois, éphémère. La vertébré contre l'invertébré. D'abord, je pense à un titre qui doit décrire ce sinistre. Le sujet, c'est le moustique. Ça va être fantastique. Je cherche beaucoup d'idées, sécher de mes rimes. Un moustique lui rend visite, il le dérange ses sacrés parasites. Il lui dit, ouvre les guillemets, toi étais stupéfait, de ta tête en goûtant, ta vie est en sang. Ensuite, ferme les guillemets, dis de ses couplets. La détresse, my wife will be alone, I don't want my wife to clone. Une lettre à la sécurité sociale résoudra ce problème mondial, but it does not work, the mosquito attacks Dirk. Le moustique ne respecte pas la loi. Et Dirk Mérimée n'a pas de choix. Enfin, Dirk tout le moustique vandal. Cette anecdote a-t-elle un point final? Est-ce que ce problème a une solution? Si oui, ce n'est qu'une illusion. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pereira. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Merci d'être venue nous lire votre travail. Merci beaucoup. Merci. J'appelle maintenant Marie-Odile Bernès de l'UB. Pardon ? Non, je ne crois pas, non, pas encore. Donc on peut juste continuer pour le moment. Madame Marie-Odile Bernès, qui va nous proposer une sélection de poèmes anglais du 19e et du 20e, mais accompagnée de nous tous. En fait, on est nombreux pour lire ce premier poème, que je n'ai plus parce que je l'ai passé. Voilà, on va se mettre tous les uns près des autres. Et on va se rapprocher. Ouais.
Donc, en fait, c'est un poème qui est basé sur une nursery rhyme, hein, donc un chant enfantin qui s'appelait « Who Killed Cock Robin ?». Et donc, on a beaucoup parlé de printemps pour parler de l'éphémère, mais là, ça parle de l'automne, puisque c'est la tombée des feuilles. Donc, c'est basé sur un rythme très enfantin de nursery rhyme, avec des questions et des réponses qu'on va faire en chœur. Hein. On va se rapprocher tous. Allez, vous commencez, Lina. Who's killed the leaves? Me, says the apple. I've killed them all. Fat as a bomb or a cannonball. I've killed the leaves. Who sees them drop? Me, says the pear. They will leave me all bare, so all the people can point and stare. I see them drop. Who'll catch their blood? Me, says the marrow. I'll get so rotund that they'll need a wheelbarrow. I'll catch their blood. Who'll make their shroud? Me, says the swallow. There's just time enough before I must pack up all my spools and be off. I'll make their shroud. Who'll dig their grave? Me, says the river. With the power of the clouds, a brown deep grave I'll dig under my floods. I'll dig their grave. Who'll be their parson? Me, says the crow, for it is well known I studied the Bible right down to the bone. I'll be their parson. Who'll be their chief mourners? Me, says the wind. I will cry through the grass. The people will pale and go cold when I pass. I'll be chief mourner. Who'll carry the coffin? Me, says the sunset. The whole world will weep to see me lower it into the deep. I'll carry the coffin. Who'll sing the psalm? Me, says the tractor with my gear grinding glottal. I'll plough up the stubble and sing through my throttle. I'll sing the psalm. Who'll toll the bell? Me, says the robin. My song in October will tell the still gardens the leaves are over. I'll toll the bell. On the departure platform, perhaps that was the second one. Mm-hmm. Ok, alors le deuxième, en fait, est plus traditionnel, puisque c'est un poème de Thomas Hardy, qui est plus connu pour ses romans comme Tess, hein, mais qui a écrit beaucoup de poèmes. Et là, donc, comme beaucoup de personnes qui quittent une gare, il voit sa femme disparaître dans la foule, sur le quai de la gare. Et même s'il va revoir sa femme après, le même moment ne sera plus jamais le même. Donc c'est un petit poème sur ce moment où il la voit disparaître. On the departure platform, we kissed at the barrier, and passing through she left me, and moment by moment got smaller and smaller, until to my view she was but a spot. A wee white spot of muslin fluff that down the diminishing platform bore through hustling crowds of gentle and rough to the carriage door. And her lamplight's fitful glowers behind dark groups from far and near whose interests were apart from ours, she would disappear, then show again, till I ceased to see that flexible form, that nebulous white, and she was more than my life to me had vanished quite. We have penned new plans since that fair, fond day, and in season she will appear again, perhaps in the same soft white array, but never as then. And why, young man, must eternally fly a joy you repeat if you love her well? Oh, friend, naught happens twice thus. Why, I cannot tell. Rien n'arrive deux fois, hein, nous dit-il à la fin. Et dernier, ce Nina, vous voulez lire Ozymandias? Ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'est le poème Ozymandias de Percy Bysshe Shelley. I met a traveller from an antique land who said, 'Twas vast, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them
on the sand have sunk in a shattered visage lies, whose frowned and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal, three words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Merci Lina. Oui. Pour la traduction, puisque ce sera peut-être plus simple à comprendre, c'est un poème complexe puisqu'il raconte la rencontre dans le désert d'une sculpture en fait d'un roi, d'un pharaon passé et dont il ne reste rien. C'est l'éphémère du pouvoir des grands. J'ai rencontré un voyageur d'une antique contrée qui m'a confié deux vastes membres de pierre sans tronc se dressent au désert. Près d'eux, à demi enterrés dans le sable brisé, gît une face dont le front et la lèvre plissés, le froid rictus d'autorité, montrent que le sculpteur connaissait ces mêmes passions qui survivent encore, marquant ces restes éclatés à la main qui les imitait, au cœur les inspirant. Et sur le piédestal, on peut lire cette inscription. « Génon Ozymandias, le roi des rois, ô vous, puissants, sur mon œuvre, jetez les yeux, qu'elle vous désespère. » Auprès, rien ne demeure. Autour de cet effritement d'une ruine colossale, illimité s'étend jusqu'à l'horizon, le désert nu et solitaire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bernays. Vous pouvez reposer le... Merci à Lina, Laura et Lara pour leur participation. Nous accueillons maintenant Hervé Bismuth de l'Université de Bourgogne pour la lecture d'un texte du poète palestinien Mahmoud Darwich qu'il a bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas où... C'était... Je ne sais pas si on me voit. Allô ? Est-ce qu'on voit longtemps ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur Est-ce Bismuth. Qu'on me voit ? On vous voit. On vous entend. Tout marche bien. D'accord. Je présente le texte, le titre est « On t'oubliera comme si tu n'avais jamais été ». C'est un texte qui date de 2006, qui appartient au recueil « Ne t'excuse pas » et qui, comme la plupart des textes de cette époque de Mahmoud Darwich, ne parle pas de la Palestine, mais ce sont quand même des textes un peu sur la Palestine. Je voudrais juste, pour une idée du rythme, lire, vous m'excuserez pour la façon maladroite dont je dirais ça, lire au moins le début du poème en arabe. « Tunsa kana kalam takum. Tunsa kana kalam takum. Tunsa kamara ta'arin. » Kakanissa ma hajuratin tunsa kohib arbarin wa kawaldatin filail tunsa ana tariq. Je lis le texte en français. On t'oubliera comme si tu n'avais jamais été. On t'oubliera comme la mort d'un oiseau, comme une église abandonnée, comme un amour passager et comme une rose dans la nuit. On t'oubliera. J'appartiens à la route. D'autres pas ont précédé mes pas. D'autres que moi ont dicté leur vision à mes visions. D'autres ont répandu le verbe afin qu'il intègre le récit. Ou éclair pour celui qui suivra, trace lyrique et intention. On t'oubliera, comme si tu n'avais jamais été. Homme ou œuvre, on t'oubliera. J'avance guidé par la vision. Le récit sera peut-être plus personnel, car les mots me gouvernent
et je les gouverne. Je suis leur forme et ils sont la libre transfiguration. Mais ce que je dirai a été dit. Un futur antérieur me précède. Je suis le roi de l'écho. Je suis le trône que les marges et le chemin et la méthode. Les anciens ont peut-être oublié de décrire quelque chose pour que j'y réveille mémoire et sensation. On t'oubliera comme si tu n'avais jamais été. Acte ou trace, on t'oubliera. J'appartiens à la route. Quelqu'un pose ses pas dans mes pas, qui me suivra jusqu'à ma vision. Quelqu'un qui déclamera des vers de louange au jardin de l'exil, devant la maison. Des vers délivrés de l'adoration du passé, délivrés de ma métonymie et de ma langue. Et je témoignerai que je suis vivant et libre quand on m'oubliera. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bismuth. On peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, Monsieur Révon est en ligne et que du coup, on va pouvoir avoir la chance quand même d'entendre ses haïkus. Donc, je vais reprendre où j'en étais tout à l'heure. J'allais vous dire que nous entendrons 7 haïkus de Sébastien Révon, lus en français par l'auteur 2 fois, selon une consuétude japonaise. Ces vers seront ensuite lus en anglais par Madame Laurélène Anthony Gerolt. La traduction a été réalisée par un groupe de ses élèves de 4e, donc avec Maëline Bourget, Faustine Taïa, Salomé Nuri et Angélis Danger. Les vers de Sébastien Révon résonneront ensuite en espagnol dans la version d'Estelle Garbé-Velasquez de l'Université de Bourgogne et José Manuel Velasquez, poète. Les traductions en chinois seront lues par 4 étudiants de l'Université de langues étrangères de Pékin, Mo Qingwen, Shen Keshin, Sheng Yingqi et Shou Shikri. Monsieur Révon, je crois que vous nous entendez ? Oui. Allô, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? On vous entend pas très très bien, pas très fort. Non, ça devrait être mieux là. Ouais, c'est un peu mieux. Un peu mieux ? Ouais. Je vais parler un peu plus fort alors. Tout d'abord, vraiment désolé, j'ai cru que mon ordinateur allait rendre l'âme. Pas de soucis. Et en fait, voilà. Bon, donc en fait, j'ai écouté depuis le début votre conférence, donc c'est très intéressant. Moi, mes haïkus, j'en fais que depuis 2 ans, mais j'ai sorti un livre récemment et je suis plus dans le côté libre du haïku. Je ne suis pas vraiment la forme 5-7-5 stricte. Et j'essaie de garder l'esprit du haïku, notamment le côté éphémère, ce qui se rapporte donc au thème du Printemps des Poètes cette année. Donc je vais les lire 2 fois, comme c'est très court, et puis après on entendra la traduction anglaise, espagnole et chinoise après chacun ces haïkus. Très bien. Alors le premier, donc, vent marin. Un pan de dune s'effondre sans un bruit. Vent marin, un pan de dune s'effondre sans un bruit. Alors je crois que là, il y a une traduction espagnole. Viento marino se derrumba una duna sin ruido alguno. C'est maintenant la traduction chinoise que nous allons écouter. Oui. 海风吹，沙丘崩塌，不声不响。 Merci. Très bien. Donc le suivant, il y aura donc une traduction anglaise et puis une espagnole et une chinoise après ça. Donc le suivant, c'est givre sur l'herbe. Les enfants se perdent sur le chemin de l'école. Givre sur l'herbe. Les enfants se perdent sur le chemin de l'école. Nous écoutons maintenant la traduction en anglais. Ice crystals
Under grass, the children lose their way to school. Merci. Maintenant en espagnol. Escarcha en la hierba, se pierden los niños camino de la escuela. Merci. Et maintenant en chinois. 双挂绿草坪, 孩童迷失于学堂之境. Merci beaucoup. Ah, je crois qu'on ne vous entend plus, monsieur Raybon. C'est ouais, votre micro doit être éteint. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On vous entend. Ça va mieux là, je ne sais pas pourquoi il s'est éteint tout seul. Vous allez alors, le deuxième. Balade en forêt, un voyage dans l'espace entre les arbres. Balade en forêt, un voyage dans l'espace entre les arbres. Nous écoutons maintenant la traduction en anglais. Walking in the forest, a trip to space between the trees. Merci beaucoup. Maintenant en espagnol. Paseo en el bosque, un viaje espacial entre los árboles. Merci. Et enfin en chinois. 森林漫游, 竹林木间的太空旅游. Merci beaucoup. On passe maintenant au numéro 11. Au numéro 11, alors celui-là, ça fait Nuit d'automne, le chant des rouges-gorges illumine la brume. Nuit d'automne, le chant des rouges-gorges illumine la brume. Alors, on n'a pas de traduction en anglais pour celui-là, donc on passe directement à la version en espagnol. Noche de otoño, el canto del petit rojo alumbra la brume. Et enfin en chinois. 在秋夜，知更鸟的歌声点亮迷雾. Merci beaucoup. Alors, le numéro 12. Vous m'entendez toujours, le numéro 12? Très bien. On vous entend très bien. Voilà. Alors, les feuilles frétillent sur le toit de la cabane. Trois moineaux. Les feuilles frétillent sur le toit de la cabane. Trois moineaux. Et en espagnol? Tiemblan las hojas sobre el techo de paja. Tres gorriones. Merci. On passe maintenant au numéro 19. Je croyais qu'il n'y avait pas de traduction chinoise. Je suis désolé, c'est pas marqué sur ma feuille. Ouais, il y a une traduction chinoise. Bah, il y a maintenant une traduction en chinois. Alors, pardon, excusez-moi. Shu ying xi su yao, mao wu cai chuan, fang yan lao, liang shang san yan rao. Merci. Merci beaucoup. Donc, l'avant-dernier, donc le numéro 19. Aube grise, une volée de corbeaux éparpille la nuit. Aube grise, une volée de corbeaux éparpille la nuit. Merci. On va maintenant entendre la version en anglais. Grey dawn, a flock of crows dissipates the night. Ensuite, pour la version espagnole. Aurora gris, el vuelo de los cuervos desvanece la noche. Et enfin la version chinoise. Ye ping han ya xiang xi qu, chen si qing sha piao ran lai. Merci beaucoup. Et enfin pour le dernier poème, le numéro 30. Voilà, alors le numéro 30, je voudrais juste dire un mot. Bon, des haïkus, ça peut être des moments qu'on observe. Et puis, c'est aussi des parfois un petit peu anti-académique de dire ça pour les haïkus, mais ça peut être des moments de réflexion. Et puis, simplement, les choses viennent comme ça parfois, et celui-ci en est la conséquence d'une réflexion. Longtemps avant, longtemps après nous, l'océan. Longtemps avant, longtemps après nous, l'océan. Merci. Maintenant en espagnol. Mucho tiempo antes y después de nosotros, el océano. Et maintenant en anglais, en chinois. Mingzhang bu ke ce, sheng su wan gu, si yu qian qiu. Merci. Et je viens d'apprendre qu'on a aussi une traduction en anglais pour celui-ci.
Ah non, autant pour moi. On s'est emmêlé dans nos notes, alors désolé. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Révon, et merci beaucoup à Laure-Hélène, Anthony Guérold, Madame Velasquez et les étudiants chinois. J'aimerais peut-être demander, par exemple, à Madame Anthony Guérold si vous vouliez parler de votre travail de traduction sur cette sélection de poèmes. Je sais pas si. Oui, avec plaisir. Alors déjà, si vous me voyez, j'avais une petite élève qui travaillait aussi sur les poèmes et qui a beaucoup de difficultés en anglais. Donc, Monsieur Révon, elle vous a fait une illustration. Super. Oui, excellent. Voilà. Pour le premier poème qu'elles ont traduit. Donc, les élèves, en fait, c'est le choix des élèves. Elles ont choisi de traduire les trois poèmes qu'elles ont traduits. Et elles y ont pris beaucoup de plaisir. C'était la première fois de toute leur vie qu'elles faisaient de la traduction. Et ça a été un exercice très créatif pour elles. Donc, même si peut-être les traductions ne sont pas toujours exactes ou ne correspondent peut-être pas toujours à ce que vous aviez en tête, elles ont essayé d'y mettre beaucoup de leur créativité et de leur fantaisie. Donc, je vous remercie. Elles vous remercient aussi. Et puis, je pense que elles peuvent être très fières d'elles parce qu'elles n'ont quand même que 13 ans. Donc, c'est vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup de nous présenter ce travail aujourd'hui. Merci à vous toutes. Peut-être que les étudiants de l'Université de Pékin aussi voudraient nous parler de comment ils ont fait pour traduire ces poèmes. Quel a été le processus ? Sinon, on peut tout de suite passer à la suite. Ouais. En fait, il y a deux choses que je voudrais présenter. Mm-hmm. D'abord, vous savez que dans la poésie ancienne chinoise, on utilise souvent des tiangu, c'est-à-dire des histoires classiques. C'est-à-dire, on utilise souvent une partie des expressions créées par des autres poètes ou des écrivains. Et dans certains cas, après nombreuses répétitions, des expressions deviennent un nouveau mot que tout le monde utilise quotidiennement. Un genre de ces mots, vous le savez peut-être, ça s'appelle le chengyu, le proverbe. Mais pas tous les tiangu, des histoires classiques deviennent finalement des chengyu avec une forme fixée. La majorité des tiangu sont utilisés avec des petites modifications dans la lecture chinoise. Je vous donne un exemple. Dans la traduction de la douzième poème de M. Sébastien, ici, Mao Cai Chuan est un chengyu, est un proverbe. Ça vient de Han Fei Zi Wu Du. Yao zhi wang tian xia ye, mao si bu jian, cai chuan bu chuo. Et c'est parce que c'est un chengyu qu'on ne change pas des quatre caractères qui le constituent. Mais liang shang san ye rao vient d'un autre poème. Ça veut dire je voudrais qu'on devienne des hirondelles pour qu'on puisse se rencontrer tous les années. Ici, liang shang yan peut être utilisé comme une histoire classique. Ce que je fais, c'est que je le prends, je rajoute san, trois, ça veut dire trois, parce que le poème original est trois mono, et voilà, cela rajoute un peu d'émotion dans la ligne. Ah, il y a une chose intéressante, la raison pour laquelle je traduis trois mono comme trois hirondelles, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais dans la littérature ancienne chinoise, hirondelles et mono, yan qiu, elles sont toujours ensemble, pengyou, zuo yong yong, yan qiu, ming cao cao. Et enfin, si vous êtes intéressé par ce sujet des moineaux et des hirondelles, vous pouvez toujours me contacter et on peut faire des recherches sur ce sujet ensemble. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter votre travail. Je pense qu'on peut les applaudir encore une bonne fois. Merci, madame. J'aimerais maintenant rappeler Madame Iglesias, qui va nous lire des poèmes de Juan Ramón Jiménez et Miguel Hernández en espagnol et en français. Merci beaucoup. Merci. Donc, juste un poème pour chacun. Donc, tout d'abord, Juan Ramón Jiménez, un poète andalou qui a marqué de son empreinte les avant-gardes du début du XXe siècle. Et donc, il s'agit d'un sonnet revisité, teinté de nostalgie, qui est issu de la section Amor de ses Sonetos Espirituales, daté de 1914 à 1919.
Retorno fugaz. ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? Oh, corazón falaz, mente indecisa. ¿Era como el pasaje de la brisa? ¿Como la huida de la primavera? Tan leve, tan voluble, tan ligera cual estival vilano. Sí, imprecisa como sonrisa que se pierde en risa. Vana en el aire, igual que una bandera. Bandera, sonreír, vilano, alada primavera de junio, brisa pura. Qué loco fue tu carnaval, qué triste. Todo tu cambiar trocóse en nada. Memoria, ciega abeja de amargura. No sé cómo eras, yo sé que fuiste. Et donc la traduction que j'ai effectuée, retour fugace. Comment était-ce, mon Dieu, comment était-ce? Ô cœur trompeur, esprit indécis, était-ce comme le passage de la brise, comme la fuite du printemps? Si doux, si changeant, si léger, telle une aigrette d'été. Oui, imprécis comme sourire qui se perd en un rire. Veine dans le vent, pareil à un drapeau. Drapeau, sourire, aigrette, printemps ailé de juin, brise pure. Comme ton carnaval fut fou, comme il fut triste. Tout ton changement s'est mué en néant. Mémoire, abeille aveugle d'amertume. Je ne sais comment tu étais, moi qui sais ce que tu as été. Et donc pour le second poème que je voulais vous présenter, donc un poème du poète espagnol Miguel Hernández, un poète autodidacte, passionné de poésie, qui a été lié à différentes générations de poètes. J'ai choisi donc un poème de son dernier recueil, Cancionero y Romancero de Ausencias, qu'il n'a pas pu achever. Il a écrit ses poèmes pendant son séjour en prison, suite à l'oppression franquiste, ayant été lui-même très impliqué dans pendant la guerre civile du côté républicain. Et donc, il est décédé en prison avant d'avoir pu finir ce recueil. On y ressent l'expérience de l'absence, du manque affectif, et puis surtout le sentiment de la fragilité de l'existence. C'est le cas de ce poème. Si nosotros viviéramos lo que la rosa, con su intensidad, el profundo perfume de los cuerpos, sería mucho más. Ay, breve vida intensa de un día de rosales secular. Pasaste por la casa, igual, igual, igual que un meteoro herido, perfumado de hermosura y verdad. La huella que has dejado es un abismo con ruinas de rosal, donde un perfume que no cesa hace que vayan nuestros cuerpos más allá. Et donc la version en français. Si nous autres vivions ce que vit la rose, avec son intensité, le profond parfum des corps serait beaucoup plus fort. Ah, brève vie, brève et intense vie d'un jour centenaire de rosier. Tu as traversé la maison, pareil, pareil, pareil à un météore blessé, parfumé de beauté et de vérité. Le sillage que tu as laissé est un abîme avec des ruines de rosiers ou un parfum qui ne cesse point fait que nos corps aillent plus loin. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Pascal Guibert de l'Université de Franche-Comté qui vient aujourd'hui nous proposer un texte de sa propre création et que nous avons la chance de recevoir en présentiel aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pu venir. Je vous laisse utiliser ce micro.
Merci Mathéo, merci Lucie et Cécile pour cette organisation toujours formidable. Donc j'ai choisi pour l'occasion un texte qui s'appelle 20 ans. Alors 20 ans, ça paraît pas très éphémère, mais il y a beaucoup de temporalité sur notre terre et le temps des enfants n'est pas forcément celui des mères. Ce poème est un poème que j'ai écrit pour les 20 ans de ma fille, Maud. Donc 20 ans, deux points, l'éphémère. Ma fille a 20 ans. Première photo en noir et blanc. Cet air qui flotte dans sa nuit d'univers. Premier bourgeon, toujours le même depuis des millénaires d'humaines. Et toujours si incroyablement magique pourtant. Tout petit haricot grimpeur d'un monde à l'autre, inconnus encore. Plus tard, à la verticale, en vagues scintillantes pour l'heure, à l'horizontale de mon gros ventre. C'est la plus jeune fée, blonde et blanche de lys ou de lilas coiffée. Le poémier refermé, elle dort, ma fille de 20 ans. Radieuse virgule alors, sur la plage blanche de son petit lit trop grand. Demain, déjà, si vite arrivée, c'est elle qui écrit sa vie de poésie, son roman d'aventure, les tables de la loi. Mais pour l'instant, petite chose si tendre, velours si vulnérable, la voici, abandonnée sagement au gigantesque bercement du monde après celui des mots, du miel et de l'amour qui veille. Et puis c'est le temps de l'école. Enclos de paradis, comme on les dessinait jadis, belle bâtisse de pierre grise attendant les petites au bout d'un parc de verdure où l'on plante et l'on court, on se mouille les pieds et l'on se fait gronder par des maîtresses tout sourire. Ma fille apprend à lire, avidement, reçoit le télégramme qui fait fête de l'événement. Comment écrit-on « J'ai 20 ans aujourd'hui » quand on n'en a que 5 assortis d'un bon point ? Un jour, un bouton, point, là, sur la joue. Et c'est un désespoir, voyez-vous. Les cheveux de boucle d'or, tout soudain, il les faut plus noirs, plus courts et surtout lisses. Lisses, lisses alors les cheveux de la belle. Fil d'or vif dénouant dans les vents des marées, la partition sur laquelle viennent danser les croches, poses et les cabriolets rêvés des premières amours. Une flûte ne suffit plus à rejouer tant de joies et de peines, à faire virevolter tourments et déracinements pour transporter le temps et faire tourner la terre. Il faut la vie entière pour dire comme on aime. Et là, semble-t-il, on a toujours 20 ans. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir en distanciel Madame Ambra Zorat de l'Université de Bourgogne et sans qui cet événement ne serait juste pas possible du tout en fait. Donc, merci beaucoup à elle. Et nous avons la chance de l'avoir avec nous afin de lire un texte de la poétesse Fernanda Romagnoli dans sa langue natale. Bonjour Madame Zorat. Bonjour, merci. Alors je voudrais vous lire un poème de Fernanda Romagnoli, qui est une très grande poétesse, mais peu connue. Elle a été, ses vers ont été oubliés après sa mort en 1986. Ils ont recommencé à circuler d'abord en 2003 et puis cette année à nouveau avec la publication d'une anthologie qui s'intitule « La folle tentazione dell'Eterno » et qui a été publiée chez Interno Poesia. Il y a un poème qui s'intitule « Carnaval » que je voudrais vous lire. Elle n'a pas été traduite en français, donc c'est une première tentative de traduction. Et dans ce poème, elle parle de la tentative de la poésie de contrer ce qu'il y a d'éphémère et de fugace dans la vie. Je voudrais vous la lire d'abord en français et ensuite en langue originale. Peut-être comme ça, ceux qui nous parlent et qui ne comprennent pas l'italien pourront retrouver des éléments. Enfin, d'abord se concentrer sur le sens et après apprécier aussi la musique. Je donnerais ma jeunesse si je ne l'avais déjà perdue. Je donnerais ma beauté si elle n'était déjà flétrie. Je donnerais tout ce qui m'appartient. Mais qu'est-ce qui m'appartient? Sinon,
ce qui m'abandonne lorsque je l'abandonne. Je donnerai le peu qui m'appartient. Pour qu'un seul vers reste témoin de ce que je suis. Un seul instant posé sur terre, léger, comme un de ces confettis. Darei la giovinezza, se non l'avessi già perduta. Darei la bellezza, se non fosse già appassita. Darei tutto il mio. Ma cos'è il mio? Se non ciò che abbandonandolo mi abbandona. Il mio poco darei per un unico verso che resti testimonio di me. Un attimo posato sulla terra, lieve come un coriandolo di questi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Zorat. Nous continuons dans la langue italienne avec un texte de Elie De Luca. Il s'agit d'un écrivain engagé, connu surtout pour ses récits, mais également poète. Il nous a fait l'honneur en avril d'une conférence à l'Université de Bourgogne à l'occasion du tricentenaire de l'établissement. Ainsi, nous voulions lui rendre hommage en vous proposant un de ses poèmes, Volti, qui nous a été suggéré par M. Bonnet, spécialiste d'Elie De Luca, et que Sylvia Valentini, doctorante de l'Université de Bourgogne en co-tutelle avec l'Université de Parme, va nous lire en italien puis en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vais suivre le format de Ambra Azora, de lire avant en langue française et ensuite en italien, vu que ça m'a paru une très belle idée. Et donc dans ce poème qui est issu plus proche, oui, ce poème qui est issu d'un recueil sur le thème de l'eau, ça s'intitule donc Visage. Et ici on voit le mouvement de l'eau qui se lie au mouvement des hommes qui migrent d'un lieu à l'autre. Et les deux images semblent donc évoquer la fugacité de la vie. C'est traduit en français par Daniel Valin. Visage, qui a étendu ses bras au large en agitant les nageoires de ses pieds, les yeux fixés dans l'obscurité de sa respiration. Qui s'est plongé au fond de la pupille d'un merou dans son antre, oubliant l'air. Qui a attaché au mât une toile et a calculé sa route et sa dérive. Qui a ramé debout sur de longs bateaux. Ceux-là savent que les eaux ont des visages. Et sur les visages affleurent tempêtes, bonasses, courants. Et le saut des poissons qui rêvent de voler. Volti. Chi ha steso braccia al largo, battendo le pinne dei piedi, gli occhi assorti nel buio del respiro. Chi si è immerso nel fondo di pupilla di una cernia intanata, dimenticando l'aria. Chi ha legato all'albero una tela e ha combinato la rotta e la deriva. Chi ha remato in piedi a legni lunghi. Questi sanno che le acque hanno volti. E sopra i volti affiorano burrasche, bonacce, correnti e il salto dei pesci che sognano il volo. Merci. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Nathalie Galland-Boudon de l'Université de Bourgogne pour une sélection de textes qui lui sont chers. Tout d'abord, Morceau de ciel, presque rien, de Claude Esteban. Donc, elle va nous rejoindre à distance. C'est le cas, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend très bien. Ok. Merci beaucoup pour cette journée, ce morceau de journée, cette organisation. J'ai choisi effectivement trois textes assez différents. Le premier de Claude Esteban, c'est tiré de son recueil de 2001, Morceau de ciel presque rien. Claude Esteban était poète, critique et très très grand traducteur, très grand passeur au français de grands textes hispaniques. Il a été le très très brillant traducteur d'Octavio Paz, le Nobel mexicain, de César Vallejo, de Góngora, de Guillén, de García Lorca. C'est aussi un immense poète qui a transcendé certainement toutes les tendances de la poésie contemporaine en français. J'ai choisi un texte très bref de Claude Esteban sur cette question de l'éphémère. Je vous en donne lecture maintenant. Merci. Que tout soit léger, qu'il y ait à peine un peu de vent, et qu'il nous emporte comme ces pollens
que les arbres perdent, que nos âmes se dispersent dans l'espace et qu'un jour, quelqu'un sache que nous avons vécu en respirant une fleur quelconque. Je voudrais ensuite donner lecture d'un texte en français d'Odile Fix, qui est plasticienne et poète. Elle vit ici, dans le Cantal, sur le haut versant est du volcan, et depuis lequel, je la cite, elle dit « les voix troublées du monde qui ouvrent des passages ». Son écriture est assez minérale, elle travaille au peu. Elle est très attachée, certainement, au fugace et à l'éphémère. Le fragment que j'ai choisi est tiré d'un poème continu écrit entre novembre 2015 et janvier 2016 qui s'appelle « N'être pas ». On dirait une pierre, on dirait un corps, main, bouche, gravier d'obscurs imprononçables. On regarde les ruisseaux sales, on range des fragments de monde sous les paupières, on souffle sur des buées de pleurs. Certains s'étiolent, certains se mettent debout, lui attend encore sous une toile nocturne. On ne connaît pas la durée d'une nuit, ni la stridence de la terre éclatée. Qu'est-ce qu'un père ? Est-il un arbre ? Murmure-t-il entre deux orages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je vous lis maintenant un chant nahuatl, donc tiré des Romances de los Señores de la Nueva España du XVIe siècle. Il existe en fait deux grands ensembles de textes qui ont pu être retranscrits en caractère latin et sauvés par quelques frères franciscains et dominicains un peu plus éclairés que les autres, après donc le désastre de la conquête. Ces deux corpus sont Los Cantares Mexicanos, conservés à la Bibliothèque Nationale de Mexico, et Los Romances de los Señores de la Nueva España. Voilà, donc juste pour préciser peut-être, dans la langue nahuatl, qui est la langue donc parlée dans la capitale aztèque à l'arrivée des conquistadors, toujours parlée aujourd'hui par 1,5 million de locuteurs au Mexique, la poésie était désignée par le diphrasisme « in xochitl », littéralement la fleur, le chant. Et donc la fleur, c'est, comme on l'a vu dans de nombreux autres textes aujourd'hui, elle ne dit pas simplement la beauté, la joie ou l'élan vital, elle est dans ce cas-là la chair même du poème. Je vais moi aussi suivre l'exemple, je crois, très pertinent d'Ambra pour d'abord vous lire le texte en français, puis en nahuatl. Avec plaisir. Je viens tresser l'arbre fleuri de fleurs souriantes au Tamuanchan. À l'endroit de la natte de fleurs, à Yahweh, il y a des fleurs en boutons, Yehuaya, des fleurs sans racines. Dans le précieux palais, tu chantes Tlailotlake, ce que tu as tressé. Awaiya, Oaiya, Iye. Allons nous réjouir, Awayo, Owaya. Je parade au Tamuanchan. Parmi toutes sortes de fleurs, les fleurs jaunes que tu as tressées. Notre tambour, nos sonailles sont seulement ici, ô mes amis, ô baïa, ô baïa. Elle nous est seulement prêtée, la vie sur terre. Chacun de nous va aller à l'endroit où l'on est décharné. Que je me réjouisse, que je vienne me vêtir de fleurs. Merci beaucoup. Donc je vous lis maintenant la version nahuatl avec des excuses. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, mais je me lance. On vous écoute. Nikmalitiwit xochikwa witlo, weweskani xochitl, aitamuacha. Xochipetlapana, aiyawe, mimiliwik xochitla, yewaya, anelwayo xochitli. Ketsalitekpa, tokuikatitla yotlaki, Tomalintikak, Awaiya, Oaiya Iye, Matahuyakana, Awayo, Owaya, Ninu Yekoya Tamuanichani, Ne Papa Xochitli, Kosawik Xochitli, Tamalitikak, Into Wewe Uch, Inta Yakachaya, Saniyonika Nayatitok Nihuani,
Ubaya, ubaya. Isatiklane huilo, itlatikpaki. Sekantilla wikano, shima wayewa. Manono kuiltono, mayaiknapana ya osho chitli. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Souhaïla Dalil, poète et étudiante à l'Université de Bourgogne, qui a bien voulu venir nous lire un extrait de son travail. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais lire un texte en espagnol que j'ai fait, ça fait longtemps. Après, Esteve, s'il te plaît, tu peux traduire en français. Era una tarde de agosto. Estaba sosegado, respirando el aire al lado de la orilla del mar. La felicidad era duplicada. Las horas pasaban a convertirse en segundos. Pero de lo que no estaba seguro es que esa satisfacción iba a perdurar tan poco tiempo. Comenzó a aferrarse a la incertidumbre, pensando en el más allá. La inquietud progresaba dando un giro a todo su entorno. Al anochecer, cerró los ojos y se desvaneció el verano, dejando un mal sabor de boca por no haber aprovechado como debía ser esos últimos días y solo centrándose en el porvenir. Merci beaucoup. On accueille maintenant Steven Maître qui va nous lire la traduction en français. Bonjour. C'était un soir d'août. Il était silencieux, respirant l'air du bord de mer. À cet instant, le bonheur était décuplé. Les heures, peu à peu, devenaient des secondes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette satisfaction n'allait durer que peu de temps. Dans cet instant, l'incertitude s'installa durablement en pensant à l'au-delà. L'inquiétude prit le dessus, donnant une toute autre allure à cet environnement. Au coucher du soleil, il ferma les yeux. L'été se dispersa en laissant derrière lui un goût amer. Celui de ne pas en avoir profité comme il se devait ces derniers jours, faute de s'être attardé uniquement à son avenir. Merci beaucoup. Autant en emporte le vent. J'appelle maintenant ma collègue Lina Malovest du Master Révi, qui va nous lire un poème de William Wordsworth dans sa langue originale. Alors, avant de lire le poème, je vais en dire deux, trois mots quand même, parce que vu qu'il n'y a pas de traduction, je vais justifier le choix de ce poème. Du coup, le poème est à propos du narrateur qui se souvient d'un épisode de son enfance, où il se remémore du coup un jeune garçon de 12 ans qui s'adresse directement à la nature en soufflant à travers ses mains pour imiter le bruit des chouettes ou des hiboux. Et on voit donc bien le lien avec l'éphémère, le lien avec la nature et le fait que la vie est aussi éphémère que celle-ci. There was a boy. There was a boy. You knew him well. The cliffs and islands of Wananda. Many a time at evening, even the earliest stars began to move along the edges of the hills. Rising or setting, would he stand alone beneath the trees or by the glimmering lake? And there, with fingers interwoven, both hands pressed closely palm to palm and to his mouth uplifted, he, as through an instrument, blew mimic hootings to the silent owls that they might answer him. And they would shout across the watery veil and shout again responsive to his call, with quivering peals and long halloos and screams and echoes loud redoubled and redoubled. Concourse wild of Jonkun Din. And when there came a pause of silence such as baffled his best skill, then sometimes, in that silence, while he hung listening, a gentle shock of mild surprise has carried far into his heart the voice of Matin Torrents, or the visible scene would enter unawares into his mind with all its sullen imagery.
its rocks, its woods, and that uncertain heaven received into the bosom of the steady lake. This boy was taken from his mates and died in childhood. Ere he was full 12 years old. Preeminent in beauty is the vale where he was born and bred. The churchyard hangs upon the slope of above the Violet School. And through that churchyard, when my way has led on summer evenings, I believe that there, a long half hour together, I have stood mute, looking at the grave in which he lies. Merci beaucoup. Je rappelle maintenant Steven Maître, du Master MEF Encadrement Éducatif, qui va nous lire un poème qu'il a lui-même écrit. Merci Steven. Oui, alors je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce poème. Donc j'ai voulu parler d'éphémère, mais aussi d'éternel dans ce poème, en y attachant la relation maternelle, donc d'une mère et ses fils. Je vais commencer. Je te vois là, debout, face à l'horizon. Tu réfléchis, penses. Éperdument. Tu en es au centre, la plaine à profusion. Je te vois là, tu observes l'inattendu. Autour de toi, de près ou de loin, gravite tout un tas de sentiments. Ce qui hier s'apaisait, aujourd'hui revient. La triste saison renaît du pire moment. Du pire, maman, où la lassitude s'exerce, abattue par l'atmosphère te pesant, sur ton dos déjà bien convexe, descendu ou bien déchu. C'est maintenant. Aussi loin que l'horizon se meurt, tu nous vois debout face à notre destin. Nous sommes perdus, mais pas sans lueur. Tu veilles sur nous depuis le début, non en vain. Tu es cette terre, mère, vivante, survivante. Nous gravitons autour de toi. L'énergie émane de nous tous en nourrissant cette volonté de vaincre qui est en toi. Cette force que nous partageons, l'étoile, mère, ne s'estompera jamais. Merci. Merci à vous. C'est maintenant au tour de José Manuel Velázquez, qui est un ancien lecteur d'espagnol et vacataire à l'UB, actuellement professeur d'espagnol au collège Champollion à Dijon, de venir nous présenter son travail en espagnol. Donc. Il a publié deux recueils de poèmes, Cala Lírica y Concierto para Cuerdos, qui lui a valu le prix de l'Université de Séville, une correspondance en vers avec le poète sévillan Fernando Ortiz. Il a dirigé une anthologie poétique en hommage à Fernando Ortiz, Tiempo al Tiempo. C'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça s'entend ? Très bien. Si ? Vale. Vamos a ver. Oui, en français. J'ai du mal à écrire un poème. Alors, parler de mes poèmes, alors déjà, c'est quelque chose de terrible. En plus, en français. Je vais essayer de dire quelque chose. Je vais lire un premier poème. L'éphémère, oui, mais de la gloire. La gloire est éphémère. Ce qui importe, c'est les œuvres, les choses qu'on fait. Mais il y a des gens qui s'accrochent à la gloire. Et peut-être ils n'ont rien fait, ou pas grand-chose. Mais ils s'accrochent là, et ils réclament le titre de grand monsieur. Hein? Ce qu'en espagnol, on peut dire don. Le don. Don José. Je m'appelle José, non? Imaginez, don José. Hein? Bien. Ce poème, c'est un ajustement de compte contre ces gens-là. El don. Qué campanudo el nombre con su don delante, más pujante que un roldán, se estima quien lo ostenta, flaco Adán con maletín y cuello de almidón. Dones que como comodín dan don, de fortuna los da lo que no dan, talentos y latines, din, don, dan, qué campanudo el hombre con su don. Y yo, que me las doy de paladín, de desatinos tales, remendón, aunque el guardián del público jardín me mande al paredón por respondón, declaro con didáctico desdén, don redundón de nada que te den. Éphémère. Je regardais les enfants jouer
Et je m'étais dit, qu'est-ce que ça passe vite l'enfance? Et je ne savais pas quoi lire maintenant. Et finalement, j'avais plusieurs poèmes et je me suis décidé par un poème qui parle de cette enfance. Le contexte, c'est quand j'étais petit, je regardais un phare, on dit un phare, les lumières qui passent, un phare. Et je me souviens que chaque fois que cette lumière était devant moi, éclatait comme ça, pour moi c'était, je sais pas, comme quelque chose de l'espoir, comme un petit miracle. Maintenant tout a changé. Et ce poème parle précisément de ça. C'est une autre façon de contempler ce phare et cette lumière. El faro. Ahí sigue en pie, firme, impasible, soberbio frente al mar, cíclope adormecido en la bonanza bajo el sol indolente del verano. También es luz apenas un destello que el arrecife alumbra y revela los límites oscuros del estuario o de la costa. Yo lo miraba entonces contando los segundos que tarda en fulminar la infancia, ajeno a los peligros de un sueño a la deriva. Ahora, entre mis sábanas revueltas, me asomo al brillo fugaz de aquellas noches y por los restos del naufragio pasa el resplandor de un faro indiferente. Y... muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour finir, je vais lire un poème d'un grand poète espagnol, José Hierro. C'est le dernier poème qu'il a publié en vie. Après, on a fait des recueils. C'est le dernier poème d'un grand recueil de poèmes, Cuaderno de Nueva York, publié en 1998. Ce poème s'appelle Vida. Vida. Vie. Life. Tourne autour de deux mots. Todo, nada. Tu, rien. All, nothing. Pas mal, hein? Trilingue. Vida. Il est dédié à une de ses petites filles, Paula Romero. Después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito, ¡todo! Y el eco dice, ¡nada! Grito, ¡nada! Y el eco dice, ¡todo! Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo? Después de tanto, todo para nada. Muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias. Afin de clôturer cette lecture, j'aimerais que nous accueillions chaleureusement les apprenants de la CIMAD qui vont nous lire des poèmes de tous horizons, dans une variété de langues dont le persan, l'arabe, le dari, l'arménien et le portugais. Merci beaucoup à eux de leur participation et je donne la parole à Madame Garbet Velasquez de l'Université de Bourgogne qui enseigne également le français à la CIMAD. Merci beaucoup. Je vous laisse... Merci. Donc, merci de leur faire un accueil dans cette journée poétique qui célèbre l'éphémère. Alors, pour commencer la lecture, nous allons accueillir nos amies soudanaises du Soudan, vous pouvez venir, qui vont nous lire ou réciter quelques poèmes en arabe.
Alors, nous allons commencer par Insaf Ousmane, donc soudanaise, qui va nous lire ou nous réciter un poème sur la mer. بسم الله الرحمن الرحيم بتكلم عن ال بيت شعر عن المامير الأم مدرسة إن عددتها أعددت شعب طيب العراق شكرا. Alors à présent Maali Tariq donc va nous également soudanaise va nous lire un poème qui s'intitule L'essai. الرحيل أنا لن أقول تمهل أنت أزمحت الرحيل فرحل سيان عندي أن تقيب أو تعود أو تقوس في الوحل يطويك ليلا حالك الإظلام مجهول المحل ويقيب اسمك من خلايا ذاكرة تلقاك خاطرة فلو شئت أرحل فقد ضاع صوتك في ضجيج القاطرة. Merci à vous. À présent Sarah Yagob soudanaise va nous lire le poème, va nous réciter le poème Éducation. Bonjour à tous. شعر بعنوان العلم. إن كنت تبغي المعالي فالعلم عهدى سبيلا واضب عليه مجدا واطلبه دهرا طويلا كن بالعلوم ولوعا تلقى الجزاء الجميلة فأحقر الناس من قد طوى الحياة جهولا تراه بالجهل يمشي بين الأنام زليلا لعلنا في المعالي به نجر الزيولة والعلم للمجد بابا يا من يرم الدخول والحر للمجد يسعى يسهر الليل الطويلة. Merci. شكرا جزيلا. À présent, Boutina Mohamed, soudanaise, va nous réciter le poème Soudan. Bonjour à tous. Watan amjatna ya ajdatna ya Sudan anta malazna juwa qulubna laka makan fi ash'arna wa fi afkarna arda darna ma'na hunana anta al-kalima wal alhan turabik turabik ya Sudan fihu nihna habaina mashaina mashaina wa itrabaina mahma lqina mamna nsaka ya Sudan halafna yamin حلفنا يمين ندوس عداك نلبي نداك شقوسنا فداك قسم اسمك يكون عنوان قسم اسمك يكون عنوان. Merci beaucoup. Bravo et merci à toutes. Merci à elles qui sont venues réciter ces poèmes en arabe en famille. Alors à présent, j'invite Farzana Hashimi qui vient d'Afghanistan et qui va nous faire l'honneur de réciter deux poèmes en Dari. Farzana Hashimi. Merci. Bonjour à tous. Avec la permission du cher public d'aujourd'hui, je voudrais lire deux poèmes, le premier sur Kaboul et le second sur fil d'être satisfait de ce que l'on a. J'espère que ça vous intéressera. On vous écoute. Merci. Kabul Zeba. دیشب به یاد کابل زیبا گریستم چون شمع عاشقانه سراپا گریستم دیگر نمانده حوصله گفتگو به من بر خود پرست مردم دنیا گریستم دیشب دلم به یاد وطن نوحه سر نمود تا صبح دم نشستم و دریا گریستم آهو صفت رمیده ام از مردمان دهر بیرون شدم ز شهر به صحرا گریستم دیروز دل به خاطر امروز می گریست امروز هم به خاطر فردا گریستم ای آسمان نگر به غم خلق بینوا گاه در حضور جمع گهی تنها گریستم شیون به کربلای وطن نو همی کند شد خانه کربلا و به آنجا گریستم دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش
سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن راه که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال کسی باش که دنبال تو باشد این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بیغم و منت منت نکش از غیر و پرو بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش The poem that I read, it was about current situation of our country that people faced with bad situation and should suffer all these problems. And the second, we must be happy and satisfied that we have in our life and enjoy in every moment of our life. And I would like to thank Mrs. Steele that gave me the chance to participate in this nice program. Thank you so much. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Farzana pour ces poèmes si forts et pour ce témoignage également. Je voulais remercier également Lida Sultanian, arménienne, qui devait réciter mais qui a dû partir. Voilà, elle n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Elle devait nous réciter un poème intitulé « Sans toi ». Et nous allons terminer avec nos deux amis iraniens, Mohammad Tavakoli et Marzieh Khalili, qui vont nous lire des poèmes en persan. Bienvenue. Alors, il s'agit de poèmes de Omar Khayyam, un grand poète persan du Moyen-Âge, également scientifique. Et il se trouve, je ne savais pas, que c'est aujourd'hui en Iran le jour de Omar Khayyam. Donc c'est une façon aussi de lui rendre hommage. Donc nous allons tout d'abord écouter Mohammad, qui va réciter deux poèmes. Le premier intitulé « La création » et le second « La brièveté de la vie ». Merci. Alors ce sera du coup Marzieh, le secret de la création. Bonjour à tous. Hakim Omar Khayyam Neishaburi est un poète et philosophien iranien. Je peux vous demander de rapprocher. En Iran, aujourd'hui, s'appelle Khayyam Day. Le secret de la création. هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا معلوم نشد که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چاراست مرا آورد به استرارم اول به وجود جز حیرتم از حیات چیزی نفزود رفتیم به کراه ندانیم چه بود زین آمدن و بودن و رفتن مقصود از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نفزود و از هیچ کسی نیز در دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بحر چه بود ای دل تو به ادراک معما نرسی در نکته زیرکان دانا نرسی اینجا به می و جام بهشتی میساز کانجا که بهشت است رسی یا نرسی دل سر حیات اگر کماهی دانست در مرگ هم اسرار الهی دانست امروز که با خودی ندانستی هیچ فردا که ز خود روی چه خواهی دانست تا چند زنم به روی دریاها خشت بیزار شدم زبوت پرستان کمشت خیام که گفت دوزخی خواهد بود که رفت به دوزخ که آمد از بهشت مرسی مرسی Marzieh Et nous terminons avec Mohammad Tavakoli Merci à vous
First, I translate part of the poem. Le monde n'a pas profité de ma naissance. Et rien n'a été ajouté depuis mon départ. Et quoi personne ne m'a entendu, quelle était la naissance, raison de ce va-et-vient. Another poem from Khayyam. تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پر کن قدح باده که معلومم نیست کیندم که فرو برم برارم یا نه جزکو کن سنگه کل سغمو امپای ویفقه شدن دجو بیاندن لد متیق رمپلی ma coupe à mes j'ignore de vrai je si je ronde te souffle à aspirer. En anglais, the poet says that at the moment that I am inspiring, I don't know whether it will be finished or not, I am expired or not. Just another poem. یک چند به کودکی به استاد شدیم. یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه گذشت. از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم. Again in English, the poet says that once on the childhood I went to school and benefit from the professor. Again, I became professor, but finally, look at the nature that we get up from the ground and pass away from the wind. Thank you. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci à tous les apprenants de la CIMAD. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les apprenants de la CIMAD. Et pour finir, je voudrais peut-être laisser la parole à vous laisser la parole si vous voulez. Bien, nous arrivons donc au terme de cette promenade autour de l'éphémère. Merci à l'ensemble des lecteurs, souvent poètes eux-mêmes, hein, qui nous ont permis de partager ces paroles fugaces qui s'envolent au fil des secondes. Le moment a été vraiment intense et émouvant. Un grand merci à tous pour votre participation. Thank you so much, everyone, for this very privileged moment. It was a wonderful experience. Once again, thanks to you all and what you accepted to share with us. So thank you so much. And many thanks to Eric and François and their team, who has always perfectly handled everything related to connection and filming and broadcasting issues. Thanks. Bien sûr. Merci. Alors, peut-être qu'on pourrait laisser aussi dire un tout dernier mot à celles qui ont vraiment orchestré l'organisation, si jamais elles sont encore connectées. C'est peut-être plus le cas. Ambra, Agnès. Alors, peut-être Ambra qui a été... Oui, je voulais juste remercier tout le monde pour avoir proposé des textes si riches. Et dans beaucoup de langues. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup à l'équipe technique aussi. Et merci donc à Matteo et à Lina, donc aux étudiants qui ont participé, présenté, aidé, organisé cette rencontre. Voilà, et rendez-vous. Pardon. J'ajoute simplement, oui, effectivement, un énorme travail de traduction, de création qui est derrière toutes ces lectures. Et ça, c'est très impressionnant et ça reste malgré l'éphémère du moment que nous passons ensemble. À tous les participants, si vous le souhaitez, envoyez-nous
votre, les textes que vous avez choisis, si vous ne l'avez pas encore fait, les traductions que vous avez faites. Et puis, envoyez-nous aussi, si vous le souhaitez, un petit mot avec vos impressions, vos réactions, peut-être aussi vos suggestions par rapport à cet événement. Et puis, également, quelle a été votre expérience de traducteur ? Plusieurs d'entre vous ont commencé à nous le dire par rapport au choix des textes, à ce qu'ils ont vécu comme traducteurs. Et ça nous intéresse aussi de recueillir quelque chose de très personnel à travers ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Voilà, merci à tout le monde. Merci à vous, c'était vraiment fantastique. Je vais descendre du bus, je suis presque arrivée à la maison. J'ai eu la compagnie de la poésie de tout le monde. Et j'espère dans une troisième opportunité à la prochaine fois donc. Au revoir, merci, c'était fantastique. Oui. Ciao. Merci à tous. Merci de l'accueil et au revoir. Et à la prochaine aussi. Au revoir. À la prochaine. Arrivederci. Ciao. Et donc, pour les gens qui sont sur place, on va vous inviter dans un instant à un tout petit pot de faim dans la salle juste à côté. On va juste ouvrir les fenêtres, comme ça on peut rester. Vous pouvez aller dans la salle ou rester là. Voilà, donc restez, on va vous nourrir un petit peu dans deux minutes.